Ça marche même pas. Vas-y. Je monte par où? C'est pas logique. Eh, je sais quoi, vas-y, je fais le tour, j'en ai marre. Peut-être que j'ai compris. Ah ouais, c'est... Non, je savais même pas. J'ai même pas vu qu'il y avait un truc sur l'arbre déjà. Thank you.
C'est ça. Les Mongols. Les Belges ont dû leur résister. Tu m'as entendu chier, ils se sont aussi. On les a sacrés à la fois pour se sentir cachés. Vous êtes entendus? Allez! Shimura va combattre les Mongols d'une manière qui n'est pas la reine. Le Jito est à son secours. Il n'aura pas besoin du fort avant le printemps. Nous serons partis. Ça venait de la porte sud. Yuna, il faut qu'on les rejoigne. Allons voir où. Je pourrais m'accrocher à l'arbre pour traverser la paroi de votre côté permet de monter. S'ils vous repèrent, nous les attraperons de flèches. Traversez, chargez ou disparaissez. Les deux officiers. Le choix vous revient, Seigneur Sassana. Que vos hommes se séduiraient. Come on.
Et voilà. Ils ont amené les amis à Yamikawa. Je viens de comprendre. Vous êtes des fantômes. Mais on raconte qu'ils mesurent 3 mètres. Battez-vous. Sois prudent, Kenji. J'essaie. Éloignez-vous. Vous auriez dû attendre pour ouvrir la porte. C'était l'idée de ma main. C'est sûr. Ne te relâche pas. Travaille. Heureux de vous revoir, Seigneur Sasaka. Il fait partout aussi froid en montagne. Tiamidura, prenez tout ce qu'il vous faut, puis préparez-vous à partir pour Jokjoku. Alors, toi et Takeshi. C'était une autre. Lui et ses hommes ne sont pas que des chasseurs, n'est-ce pas? C'est une question de point de vue. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester d'un passage. Mais je refuse que les bandits s'en prennent aux innocents qui voudront échapper aux Mongols. Takeshi aurait affaire à moi, et il le sait. Je crois qu'il était impatient de te revoir. Il m'a vu. On peut partir. Rassemblons-nous à Jogagoku. Nous y planifierons notre ultime attaque. La dernière aura du calme à se serrer.